Salut à tous, aujourd'hui retour des LG, le premier de l'été, donc autant qu'on se fasse une petite game tranquillou sans prise de tête. Je ne vais donc pas vous dire qu'il s'agit d'un de mes meilleurs LG qu'on ait fait, t'inquiète. Je dis ça parce que systématiquement, quand je vous annonce au début d'une vidéo que c'est une très bonne game, j'ai tout le temps les mêmes commentaires. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un bon LG de merde. J'espère que vous êtes convaincus. Plus sérieusement, il y a quelques semaines j'ai sorti ce LG UHC là, avec le nouveau rôle prêtresse certes, qui a subi quelques modifications depuis, mais surtout un LG où j'étais en couple avec Nartko. Sachez que le week-end suivant la publication de cette vidéo, nous avons rejoué un autre LG, comme tous les week-ends quasiment, donc venez me suivre sur Twitch pour ne pas les rater. Et disons qu'un événement assez improbable s'est produit. Comme vous l'avez deviné. Oh non, what the fuck? Non, c'est pas possible! Oh, c'est le retour! C'est la revanche, lundi dernier! C'est pas possible! Il y a une semaine, tout pile! C'est pas possible, c'est la revanche, sans déconner! Ah, mais je l'étais il y a pas longtemps en plus, Salva! LG protégé. Moi. Voilà, parce que j'ai déjà pas de vie, alors j'aimerais bien éviter de crever en cave quand même. J'espère qu'il a un bon rôle. Me dites rien. Eh hey les gars, mais c'est pas possible, c'est emblématique de ouf. Deux couples d'affilée deux fois le même. Surtout qu'il n'y a pas de Cupidon, on est d'accord que c'est aléatoire. La première fois, c'était même pas aléatoire, c'était Julien. Bah du coup, je vais juste nous salvater ensemble. C'est énorme. C'est la revanche, gros. C'est le destin, gros. C'est comme ça. C'est incroyable. T'as un rôle ok ou pas? Bah tu vois ton rôle de la dernière fois? Ouais. Ah voilà. Eh ben moi, gros, je suis de l'autre côté. Cette fois-ci. T'es quoi? Non. J'ai un putain de bon rôle, moi, par contre. Pour nous mec, en fait, j'ai le meilleur rôle pour nous deux, en fait. Je suis Salva, gros. Oh putain, yes. Bah ouais, gros. On a le meilleur combo. T'es salvateur de mon côté, infect père des loups du sien. Nous avons un des meilleurs combos de couple possible. Chaque épisode, je pourrai donc nous salvater à tour de rôle. Un épisode sur deux, j'aurai donc la résistance. Et l'épisode suivant, ça sera Nartko. De son côté, lui, il pourra réserver sa deuxième chance pour moi si jamais je viens à mourir par un loup, par manque de chance, par exemple. Et si jamais la situation se complique trop, il pourra également utiliser ce pouvoir pour me faire passer du côté des loups, pour ensuite gagner avec eux. Mais pour l'instant, on est très loin de ça. Grâce à son pouvoir, nous allons donc pouvoir prendre du risque, exactement comme nous l'avions fait la première fois. Mais cette fois-ci, nous ne ferons pas les mêmes erreurs. L'heure est aux stratégies. Par contre, j'ai pas beaucoup de vie. T'as combien? 4 cœurs. T'as 4 cœurs? Non. Ah, tu déconnes. Mais t'inquiète, mon frère, mais t'inquiète, gros, on a la stratégie maintenant. Ouais, bon. On a eu une partie pour s'entraîner. En plus, on a même pas besoin de se faire chier avec prêtresse ou quoi maintenant, on s'en bat les couilles, gros. Tu peux faire slash don 60 juste pour vérifier si ça marche? Oh, ça marche de ouf, gros. Rends-les-moi, c'est vrai. Hop, du coup. Attends, j'ai fait la table, gros, je vais te filer ça. Attends, deux secondes, gros, bon. Parce que je crois que ça bug. Par contre, si tu veux, en vrai, pour te heal, vu que t'es à 4 coeurs, j'ai trouvé de l'or, si tu veux. Ouais, ouais, bah sinon je te tue, quoi. Tu récupéreras pas ta vie. En vrai, par contre, tu sais que c'est worse de ouf, ça, au pire. Genre, si jamais on a plus de gap ou quoi, je te mets full vie, je tombe à un demi-coeur, par exemple, et tu me tues, et... Ouais, en vrai, ouais. Ah oui, d'ailleurs, j'ai la liste. Oh merde, oh non. Ça fait pas plaisir, quand même, hein. Oh non! Effectivement, ça fait pas plaisir. Une team de loups quand même assez balèze, dans laquelle on trouve notamment Gep et Nanox, deux joueurs qui savent très bien jouer ensemble. Il y a donc deux risques, que le village se fasse rouler dessus et moi avec dès le début de la partie, ou alors qu'on se fasse cramer en tant que couple auprès d'eux, qu'ils arrivent à repérer la faille dans leur groupe de loups. Pour ne pas perdre de temps, on va donc adopter la même stratégie que la dernière fois, se séparer dès le début et tenter un jeu séparé, comme on le ferait si nous n'étions pas en couple. En général, on reste très peu ensemble dans les games avec Nartko, et c'est là où ça peut devenir compliqué pour nous aujourd'hui. C'est con ça, c'est con ça quand même. ça c'est con quand même. J'ai cru que notre game allait s'arrêter là. J'ai essayé de dire bon bah c'était. Tu sais, je t'entends crever, j'étais en train de me dire, mais qui est en train de te full crit là? Nartko va donc très rapidement remonter, après que nous ayons bien sûr au préalable établi les significations des slash dons, comme à chaque game en couple, et surtout comme notre dernière. Cette fois-ci, pas de prêtresse, donc pas de risque d'embrouille particulière. Pour ceux qui ne voient pas vraiment de quoi je veux parler, ces slash dons sont la seule manière de communiquer pour le couple quand ils sont séparés. Et ils permettent évidemment de se faire passer certains messages, en fonction du taux de vie qui est donné par l'un des deux membres du couple à l'autre. Le slash don 4 reste évidemment le plus important à retenir ici, puisqu'il signifie tu es cramé en tant que loup. Et on trouve bien sûr d'autres significations, comme par exemple il faut qu'on se retrouve. Quoi? Mais tiens, me les donner, hein. Je te donne l'autre, comme ça au moins ça te servira si tu veux fight quelqu'un. Si je me fais tuer par un loup, de toute façon tu me restes, donc il vaut mieux que ça soit toi qui les ai. Vas-y, je remonte moi. Ouais, vas-y, gros. Sauf que voilà le véritable souci de la partie. Je n'ai absolument rien. Aucun or, aucun stuff, rien. C'est un de mes pires départs en jeu. Et le problème, c'est que dans une game en couple, on a besoin de pommes. On a besoin de pouvoir se passer de la vie en tant que coup dur. Surtout que là, c'est moi qui vais devoir assurer en termes de vie. Nartko, lui, sa mission, c'est plutôt de foncer dans le tas. Je vais donc sortir à 80 minutes de jeu. Je ne suis jamais sorti aussi tard dans un LG, mais il me fallait évidemment du heal. Et le souci, c'est que même en sortant aussi tard, je ne sortirai qu'avec deux pommes d'or. Le deuxième souci en sortant aussi tard, c'est que je suis le dernier à ne pas être arrivé au centre forcément. Et ça peut amener à des soupçons dès le début. Ou encore pire, les loups peuvent se servir de ça contre moi. Merci pour le riz. Salut, je suis assassin. 80 minutes de jeu, désolé. Bien. Quoi? Qui m'a voté? Mais j'ai déjà pas de vie, frère. Qui m'a voté, frère? J'ai déjà pas de vie. Non, c'est parce que je suis pas au centre. Moi, je pense que je sais. Non, mais gros. Qui m'a voté, gros? Toi, tu m'as voté de sûr, gros. Non, je t'ai pas voté. J'ai voté sauf un parce qu'il me tilt depuis le début de la game. J'ai deux gaps et trois cœurs et demi. On en parle ou pas là? Personne n'a de gap. Et pourquoi tu t'es pris des votes? C'est corbeau, sûr, non? Non, c'est parce que je viens d'arriver au centre et qu'à mon avis, les loups ils se sont dit yo tout le monde, on va voter le mec qui est pas là. Tu veux faire une vidéo élimination anti-loup? Ah, dis-moi, donne-moi les infos, s'il te plaît, j'ai envie de jouer. Dans mon call. Vraiment, t'as la même voix. Il y a forcément un truc de juste, ok? Vas-y, dis-moi. Pour moi, Guillaume.
Ah ouais? Ils sont partis ensemble en bateau là. Ouais, ouais. Pourquoi? Ouais, voilà. Ilu, Nartko, pour moi. Et pourquoi tu penses ça d'ailleurs? Bah, déjà, les coups des épées, puis ils sont partis ensemble. Ah, si, j'ai compris, ça y est, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris, je crois. Visiblement, ça part vraiment pas bien comparé à la dernière fois. Yann est certainement montreur d'ours. Ça expliquerait les deux greux du début d'épisode. Qui n'apparaissent uniquement si le montreur est proche d'un loup. Donc, Ilu et Nartko sont cramés. Il ne reste donc plus que 4 loups qui peuvent s'infiltrer. Et en plus, je connais leur pseudo, donc aucune inquiétude à avoir de ce côté là pour moi. Mais le gros souci là, c'est Nartko. S'il se fait attaquer là, je n'aurai d'autre choix que de le défendre. Je dois donc le prévenir pour qu'il ne reste pas à côté. Il faut qu'il s'en aille très vite. On était avec Titi et Nems, et genre quand on est arrivé, il y a un moment où Titi il a one shot un keeper et il est parti avec Nems pour le partir en panneau. Comment j'aurais dû te sauter, je suis trop bête. Franchement, je suis trop bête. Il y a à peu près la même tête de neuf quoi. Bah, moi c'est Lucid. Non, en fait. Ma game est depuis la merde de Az et j'aime Devo dans tout le monde. Ah ouais, ah ouais, c'est intelligent ça. Ils sont où les autres? Ils sont là-bas. Ouais, les mecs qui ont des infos, les mecs qui ont pas d'infos. Vous voulez faire quoi les gars? Moi je veux bien vous aider, mais par contre il me faut vraiment vraiment du des pommes. Ah mais en fait. j'ai... Moi aussi, tout le monde, j'ai vraiment pas de gap mec. Moi, j'ai... Mais non mais gros, en fait je t'explique, j'ai 0 gap, moins 4 coeurs et demi. En fait on m'a voté alors que je n'ai pas de heal en fait. Je n'ai plus de heal. J'ai 3 d'or mec, si t'as du heal. J'ai 2 d'or. Bah je te pose quoi ça et puis... Je suis tombé à 4 coeurs dès le début de la game. Je suis tombé à 4 coeurs depuis le début de la game, tu peux demander à Nono. Pourquoi ton avis? Pourquoi tu veux à ton avis que j'arrive à 80 minutes gros? Aucune raison d'arriver à 80 minutes. Bah justement non gros, justement le temps que je remonte tout. Ça me paraît bizarre quand même. Je sais pas, Chobax, je les connais trop bien, ils ont pas l'air très safe. Chobax c'est tout. Moi depuis le début. En fait ils sont arrivés, ils m'ont instant soupçonné direct. Genre j'ai rien fait, je suis arrivé juste comme ça. T'as pas des gaps gros genre un truc comme ça? 4 gaps. Tu peux pas m'en donner une gros, j'ai. Mais reste là-bas mec, j'en aurais 3 si je t'en ai une. Mais gros, j'ai même pas. Tu sais que je peux même pas aider si un fight gros, je meurs, je sers à rien. Mais en plus toi je sais même pas si t'es. Je sais même pas si t'es safe. En fait je te pense même plus méchant que safe. Ah ouais? Parce que pourquoi? Bah t'étais à 2 coeurs et demi, juste à côté de moi, j'avais un free kill. Mais c'est normal gros, mais évidemment que je gap. Mais il y avait pas que toi. Non mais non mais non mais t'as pas eu peur pendant un long moment. Et en vrai si en fait t'as gap un moment, j'ai rien dit. Évidemment que j'ai gap gros, je restais pas à côté de toi, je me barrais, t'es fou quoi genre. Ils l'ont tué. Ah bah qui a tué? C'est pas Guy le Chobax. Il met de la touche, c'est très très grave. Mais ils avaient l'air très bien en fait. Par contre il restait bien avec Nartko et lui en mode safe, donc oui. De nuit. Alors ça si c'est pas le couple, bah je pense que ça fait partie d'eux, parce que je vois pas pourquoi ils attaqueraient direct comme ça. Chobax c'est tout? Ouais. En vrai t'as pas tort parce que... Allô? Ouais. Wesh. En plus eux je les connais les... Attends je vais m'écarter, on sait jamais. Attends mais Nartko t'es pas mort toi? Pourquoi je serais mort gros, chez l'eau? Bah pourquoi t'es là? Mais pourquoi t'es là alors? Pourquoi je serais pas là? Attends, vous êtes encore en couple? Oh putain! Oh non! Oh non, j'ai glitch en bloc! Non mais j'ai pas de chance, tout fait! Tu l'as eu? Bon, j'ai 0 gap, gros. Ils t'ont cramé. Yann, il t'a cramé. Je sais. Oui, je sais. C'est pour ça que je t'ai envoyé. Ouais. Voilà. Ah, mais là, il vient de se faire. Oh, l'assassin! Le heal! Combien de gap? J'ai 12 gap. Ok, j'en ai besoin parce que j'ai 0 moi. Qui m'a voté gros? Attends, je te file la moitié, je sais pas gros. C'est les loups ça non? Je vois pas d'autre solution en vrai, je t'avoue. Attends, y'a des mecs, cours. Bon, c'est un bon kill mais ouais, ça va être compliqué hein, vraiment. Ça va être la mort. Oui, du coup, à la mort de Titi, y'a Sofin qui s'est transformé gros. Mais là du coup, vu que Sofin les a aidés à sucer Titi, là Sofin il est bien infiltré hein, et du coup on peut. Ouais, mais après toi t'es pas encore de putain. Ah ouais. Putain, c'est chiant ça. Ah oui, et Nanox peut-être LGB. Hein. Nanox c'est bizarre. Nanox il a utilisé Titi. Moi je pense que Nanox ça serait bien quelqu'un à pouvoir me voter, tu vois. Genre en mode il est pas au centre, on le vote ou quoi. Pour le faire croire qu'il est méchant, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, les gens qui m'ont voté, c'est 3 loups gros. C'est sûr, c'est 3 loups qui m'ont voté. Je vois pas qui pourrait me voter pour aucune raison comme ça. Si Ayam a pas en couille, je te raise, on gagne avec les loups. Hein. Oui, si jamais on n'a pas le choix, il vaut mieux faut pas qu'on fasse la même erreur que la semaine dernière. Yep, carrément. Là ça va, on peut encore tranquille quoi. Par contre, ouais, le kill m'a mis bien niveau heal parce que vraiment j'étais à 0 plus en plus les votes gros, j'étais à 2 coeurs et demi no heal. J'étais en mode ouais je sais, bah, quand je t'ai vu prendre les votes je savais que t'avais pas d'heal, j'étais en mode bah j'ai sorti avec 3 gaps, j'ai du heal et le temps que je me heal j'ai réussi à gratter une gap. Fatou il reste tout seul, c'est peut-être genre un rôle solo genre Ange ou quoi. Nimbus il reste avec Toté donc il doit avoir 2 rôles villageois parce que ouais, Nimbus il reste tout seul d'habitude quand il est solo. Ils sont peut-être sœurs, ok ça paraît logique. Ok donc peut-être les deux sœurs, peut-être les deux sœurs, donc eux ça va être compliqué. En fait c'est soit les deux sœurs soit c'est Gamur avec genre bah sauf un Nagato, je l'ai pas vu dès le début, il arrivait d'une traite donc c'est peut-être la PF. Yann c'est le montreur. Yann c'est mon travail, ouais, c'est sûr. Nono, je sais pas. C'est peut-être Nono, mais je pense non, que c'est Yann. Non, c'est Yann. Parce que Yann, c'est lui qui est venu me donner l'info en disant que c'était toi. Ouais, franchement, je suis un peu perdu, je t'avoue. Je sais pas du tout comment jouer la game là. Bah, c'est ça, bon, pareil, là, je sais pas ce qu'on est censé faire. On est censé attendre. Là... J'ai l'impression que même les loups veulent pas me faire confiance. Pour moi, Nanox, il est bizarre. Hein. Nanox, il est LGB. Et... Gamur est mort. Gamur est mort. Gros. Gamur est mort. Par un loup. Ah oui, mais attends, je croyais que Gamur il était avec vous. Je croyais que c'était Gamur en mode. Ok, attends. Hein? Ah, sauf un. C'est l'enfant, c'est le voleur.
Sofin était voleur, d'accord. Il reste le collange du coup. Putain, ouais, unlucky de tuer l'enfant sauvage, gros. Mineur, mineur, ça peut être quelqu'un du groupe avec Yann, justement, ça peut être Nono, un truc comme ça. Sorcière, aucune idée, gros. Moi, j'aimerais bien Fatou, soit genre un truc style sorcière, soit ange en vrai. Chobax, en... ah, mais Chobax, il doit avoir un rôle. Si jamais on se fait cramer par les loups, là, parce que là, on reste à deux et tout, tu vois. Si jamais on se fait cramer par les loups, juste laisse-toi tuer, hein, je te raise et puis. Ouais, ouais. Pas qu'il me tue moi, enfin au pire je peux me raise, mais bon c'est chiant quoi. Je sais pas comment jouer là, je sais pas quoi faire. Donc on est voir en dessous, on tente un fight au pire hein. Ta résistance, ta force. Ah mais ouais ça. Là tu peux tanker gros. J'ai peur qu'en fait tu sais ce que j'ai peur là. Vu que c'est moi qui vais l'avoir, là. Que ça soit toi qui Ouais. Qui se fasse douiller. Après je t'ai dit si je meurs d'un loup C'est pas eux qui me font peur. C'est pas eux qui me font peur. Ouais c'est ça en fait. Surtout que je suis cramé. Ça va être compliqué en vrai. Un peu chiant. Il y a de l'XP gros, et quelqu'un qui est passé là. Ouais. Viens, on y va, viens, on y va, viens. Oh, vas-y, 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 vas-y. Fais quoi là ? Non. Je peux même pas voir où sont les gens parce que j'ai deux chunks. Incroyable ça. A l'aide, je me fais sauter par les loups. Ah ouais ? Nardcozugil. C'est pas de chance ça quand même. Ça c'est bon bah au moins comme ça si on était pas sûr au moins c'est réglé quoi. Voilà bon, c'est terminé hein. Il y avait Nimbus toté, Nono. En le problème c'est que gros si marrant, en fait il va falloir que je t'infecte en fait. Oh merde, s'il y a un loup gros qui entend ça, il va se dire trop d'heures. Ouais mais garde dans ces cas-là garde vraiment Bah ouais mais bon au pire c'est un loup qui si les loups commencent à nous courir dessus bah écoute je te tue et ouais. Voilà, je leur explique hein. Et on n'aura pas le choix de toute façon. Et tu vois ce qui force Tu vois qui force. À mon avis, il va y en avoir un qui va forcer, tu vois qui c'est. Il y en a un qui va dire non, tout tue sans te laisser t'expliquer comme il avait déjà fait à certaines personnes. Du coup, On va de qui ? C'est toi qui va prendre, je pense. Go, mais t'es Chobax. Allez, Chobax. C'est toi qui va prendre, je pense. Ouais, je pense. On verra bien. Mec, regarde deux secondes un truc. Attends, deux secondes, faut que je te parle. Viens, je te parle d'un truc, là. Deux secondes. 1800. Nice. Ouais, il tankait le bonhomme. Je vais attendre avant de gap, je vais attendre de voir si je prends pas les bottes. Ouais. Moi je suis à 4 coeurs et demi, donc j'ai je préfère attendre de voir si je prends pas les bottes. Ouais, il tankait beaucoup, hein. Il était ancien. Oh non, putain, il faut que ce soit moi qui prenne, gros. Fallait que ça soit moi qui prenne le kill, ça aurait été ouf. Ah, mais non, parce que j'aurais perdu mon pouvoir. Heureusement que c'est pas moi qui ai pris en fait. Ouais, en fait. Ouais, mais c'est pas grave, on lui a fait perdre une vie, c'est pas grave. Je peux même pas le raser, forcément ça. Faut que ça soit toi qui prenne les bottes. Viens, on se casse. Faut que ça soit toi qui prenne. J'espère que c'est toi, comme ça au moins c'est fait, on en parle plus, tu vois. Ouais, puis de toute façon, ça change rien. Dans tous les cas, je dois heal la moitié de ma vie, donc. Putain. Nugget, j'ai plus résistance, c'est compliqué là. Alors, on peut rien faire. Oulala. Oulala, les problèmes. Hashtag les problèmes. De l'autre côté. Nagata est mort. Nagata vient de se faire tuer par un loup. Ah bah voilà. Elle était ange déchu. Plus aucun rôle solo. L'ange et l'assassin sont morts. Le voleur est passé loup. Il reste donc 5 loups, dont un LGB et dont Nardco. Ce qui leur fait plus que 3 vrais équipiers. Tout ça contre 7 villageois. Et au milieu de tout ça, y'a moi. Même pour nous en tant que couple, la situation semble vraiment complexe. Et nous devons jouer avec les loups quoi qu'il arrive pour équilibrer. Donc les loups ont tué enfant sauvage, ange et assassin. Franchement, on peut pas donner un truc plus simple pour le village, genre. C'est unlucky de fou. C'est dur hein, quand même, hein, c'est dur. Mais là, le village, ils sont trop bien, ça. Après, Sofin, je pense qu'il est vraiment bien filtré. Hein, mais... Ouais, en vrai, il va pas avoir le choix de. Je pense qu'il y a fait que tu m'infectes. On fait ça maintenant ou. Deux secondes, pas le premier sort, s'il te plaît. ça va trop vite là entre nous là, c'est. Je suis sûr, le village, ils sont juste persuadés que je suis loup en fait. Mais gros, ça a tout brûlé ici, il y a plus de feu. C'est quoi ça? Moi, ce qui me fait peur, c'est. Attends, mais il reste qui là du coup? C'est Nanox ou Gap du coup? Enems. Ah ouais, fuck. Nanox, Gap ou Enems. Et pour moi, c'est Nanox, hein. C'est pas la première fois, en fait, qu'il fait ça quand il est GB, en plus. Je te propose imagine, il y a un groupe de 2 ou 3. Ah, mais non, mais un groupe de 2, on peut les tenter, mais un groupe de 3, c'est vrai que j'allais te dire, à la limite, je me mets à poil, tu me tues très vite. Je respawn et je spam les dons en. Mais j'ai pas beaucoup de heal en fait. Ouais, mais c'est chaud. Non, gros, franchement, il y a tellement peu de bonnes solutions. Moi, je pense qu'on passe sous les arbres et on voit ce qui se passe. On reste collé, genre, je te suis en vrai. Nabo est mort. Mineur, ok. Ah, t'es pas si loin que ça, hein. T'as timer là, il y a moins que ça sert. Ouais. Il sort avec qui alors? T'as un Nimbus. C'est pas avec. Bah non, Nimbus, c'est ancien Nimbus. Oh, y'a Fat. Tout seul. De toute façon, s'il retourne vers des gens, on se barre, mais là, il est solo pour l'instant. Fais gaffe, gros. Vous avez déjà infecté ou pas? Oui. Terrible. Dommage, j'ai un bon rôle. Ça tape quand même, hein? Oh, t'as des taunts!
J'avoue que là, le MLG il m'avait peur. Hein. Bah, tu sais quoi, j'étais plus serein que toi, c'est bizarre. Non. Dommage. Quoi? Ouais, bullshit. Ah, c'est vrai, les bait de ceux sur Minecraft. Heureusement que Guild est pas bon, j'ai un peu. On va entrer un truc, hein. Oula. T'as du torns, what the fuck? Oh. Oh, joli. Mouvement le jump, mais bon, en arc. Un peu nice. Les raises, au moins, c'est déjà ça. Non, bâtard! C'est lui celui qu'on cherche. Ah, trop fort le mec aussi, il fait UHC légende, hein. Ça fait mal au cul. Quel archer! Bon bah, GG les gars. GG. Nice. Je te surveille. Ouais, mais je te surveillais de derrière pour savoir si Nano je devais te mettre lui. Nano est mort. Ok, je te surveille de derrière pour savoir si je devais te mettre lui. Et mais du Yann coup, était mort, mais il la raise. Ah, ça putain, a fait pour le raise. Ah putain, j'ai 3 gaps. J'ai 2 gaps et j'ai mon 3 gaps. Attends, j'ai de quoi en faire une. Bon, ça va être dur. Hein. J'avoue, j'ai eu peur plusieurs fois quand même. C'est pour ça que j'hésitais à trop avancer parce que je préparais ma commande, je l'ai tapé plusieurs fois dans le vent pour être sûr que tu vois, tu. Quand t'étais full vie. À un moment, on a sauté d'une montagne là. En vrai, ouais, je vais t'inviter, mais je pense qu'il faut qu'on trouve d'abord Nanox et Gap et que je t'invite devant eux, genre. Comme ça, ça m'innocente, parce que là, ils doivent être à fond. Ouais, c'est sûr, c'est Narco, le LZB. Faut absolument que je t'invite devant eux, quoi. Genre, dès qu'on les voit, tu te mets nos stuff et je t'infecte, quoi. Fais voir leur défense d'abord, qui t'accuse avant de faire quoi que ce soit. C'est quoi? Ouais, je sais pas, hein, quand même. J'avouerais que j'ai un peu peur, hein. Quoi? On est ensemble, les gars, s'il vous plaît, par pitié. On est pas ensemble du tout, gros. C'est pas ensemble, quoi. Look out, we got a big spender over here. Ah, le son. Ils vont vouer dessus, hein. Non, mais non, gros. T'as dit slash don, par pitié. Je comprends pas. T'as pas dit slash don. Adieu. Je comprends pas. Attends, on va voir. Pourquoi ils disaient ça? Je sais pas, gros, j'ai pas compris. J'ai pas compris, gros. On a besoin d'eux, même une gap, c'est on prend, nous. Tu l'as vu? J'ai 6 gaps. Oh nice. Attends, viens. Y'a Nanox qui est là, viens. Je suis à moins 1 coeur et demi. Allez, viens. Attends, viens. Viens, Narco, viens. Oh, ils sont des 4, hein. On pouvait les espionner, hein, je pense, hein. Vas-y. On a donc décidé de ne prendre aucun risque. La première fois, c'est exactement comme ça qu'on a perdu. J'étais infect et lui villageois. Et on a perdu par ma faute, parce que j'ai voulu garder mon pouvoir vraiment en cas de dernier recours. Et des fois, il faut pas chercher bien loin. Ici, notre meilleure solution, c'était l'infection. Pour la simple et bonne raison que malgré tous nos fights et tous nos kills, nous ne sommes pas assez stuff pour tenter d'éliminer tout le monde. Encore, si nous avions 25 pommes chacun, on aurait pu tenter. Mais là, c'est juste se tirer une balle dans le pied, une deuxième fois. On est là pour survivre, peu importe le camp. Et de toute façon, trahir les loups n'est clairement pas une bonne idée pour nous. D'une part, parce qu'il reste le LG blanc, qui lui doit être archi stuff. Donc on lui donnerait une grande opportunité de victoire. Mais surtout parce qu'on a aucune chance de triompher vu les groupes restants. Ici. Nanox, Gep, Nems, même en 2v3 c'est infaisable. Comme dit, il reste le LG blanc parmi eux, et c'est ça qui me fait peur désormais. Vu que nous sommes séparés, c'est l'occasion parfaite pour ce dernier d'attaquer Narco et de faire d'une pierre deux coups. C'est ma dernière peur. Salut! On fait parler, faites comme si on n'était pas là. Ouais, je viens de m'occuper de Gil. Ouais, toi, t'es surtout en couple avec lui, quoi. Oui. Et on le tue? Qu'est-ce qu'on fait? Bah non, vraiment, enfin, il est loup, quoi, maintenant, donc vraiment... Bah oui, mais du coup, vous êtes quand même en couple. Bah et alors? Bah ouais, attends, on peut gagner avec les loups, quoi. Je tiens à dire que Nanox est LGB, hein. Non, Nanox est LGB. Ah bon? Bah c'est qui? Ah, pourquoi Nanox t'a accusé Titi? Tu vois, si t'avais bien regardé, tu vois, ton accusation est mensongère. D'accord. Elle est mensongère, ton par contre, en fait, c'est soit Nems, soit Gep le LGB. Voilà. Et moi, je sais que c'est soit fumier, mais au moins, il fera un bon best-of, ouais, donc ça, c'est cool. Ouais, en vrai, on voulait tenter de gagner à deux, mais vas-y, y'a aucune chance, c'est trop dur. Attends, c'est trop dur. Est-ce que. Deux secondes, les mecs, j'ai une question. Est-ce que moyen, comme ils peuvent gagner encore quand même à deux, tu vois, c'est le problème. Ouais, bon, d'accord, frère, t'as vu le groupe? Tu crois que moi et Guil, on peut vous tuer, vous tous, là? Ça va aussi. Bah, vu. Non, mais vu que Gep va nous trahir, c'est chaud, enfin, t'es du monde. Essaye de faire depuis tout à l'heure. Dans tous les cas, on peut faire deux groupes de trois en fait. En fait, le problème c'est que si on va vers eux là, même s'il allait me sauter dessus, c'est sûr que Nems allait me sauter dessus. Genre, risque Jobax. Et là, le blanc va trahir, de sûr. Je me prépare au cas où. Vous êtes juste deux là? Et... Ils sont où les autres? On les a pas vus, on l'a séparé en groupe. Et du coup, on sait que vous êtes en couple. Hein. Ouais, bah ouais, mais du coup, on a fait. Et le blanc, vous avez des idées ou quoi? Oui, c'est Gep ou Nems. Ouais, Gep, si tu veux, c'est son Nanox. Soit Gep le LGB donc. Soit Gep, soit Nems, pardon. C'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. Ils savent en fait. En gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après t'avoir infecté, je suis allé vers eux. Ils étaient en train de discuter voilà, avec leur groupe et tout machin. Enfin, du coup, j'aurais dit que ouais, j'étais en couple avec toi, que j'ai infecté et tout. Ils ont dit, bon, bah le LGB, c'est soit.
soit Gep, soit Nems. Et j'ai, pour moi c'est Nanox, tu vois. Mais en fait Nanox avait PL. Du coup bah c'est soit l'un soit l'autre et du coup ils sont partis ensemble. C'est Nanox qui a prouvé, bon il est bon pire vous allez à 3 et Ah tu leur as dit qu'on était en couple? Non parce que je les ai vus, ils étaient en mode on a compris, vous êtes assez obvious. Bon. Ouais apparemment ils avaient déjà compris. En vrai ça, mais en fait ils ont compris quand ils ont entendu ça. Quand ils ont entendu le Nagato qui leur a dit qu'on était loups tous les deux en fait. Et ils nous ont vus apparemment tous les deux. T'as combien de gaps? Parce que j'en ai une moi. On est 5 tiens. J'en ai gardé une seule au cas où tu vois, mais c'est ouais en vrai c'est trop dur là. En fait tu sais qu'à un moment quand Nanox il m'a dit on sait que vous êtes en couple toi et Narco, ouais. Je commence à courir, je regarde un double F5, je vois ils sont juste derrière moi, limite ils voulaient me tuer tu vois, j'étais en mode vous pouvez quand même pas sauter là genre Et tu sais ils hésitaient hein, et Nanox il était en mode ouais mais bon vous pouvez quand même gagner à deux et tout machin. Non, ils le savent. Ah putain. Y'a pas de GB. Ok. Bah c'est quand vous voulez les gars, je suis toujours à côté. Mais t'es où gros? Bah du coup ouais, en fait on peut rien faire depuis tout à l'heure parce qu'à chaque fois ils sont trop mais ouais, comme je les ai enfin trouvés. Hein. Ouais mais gros comment on fait là, t'as des gaps toi, t'as de l'huile? Pas très peu. Qui ah mais t'es là, ça y est, tu viens de repop. Qui a fumé gap du coup? C'est sûrement Nanox si c'était avec qui c'était ensemble. Vas-y, bon, on te suit, gros. On te suit. Bah, ils sont là. Salut. Attends, mais. Putain, mais non, c'est un complot général là. Oh, mais putain. Mais quoi, vous voulez faire quoi? Nous, on est avec vous, hein. Ouais, mais en vrai, vous auriez pu gagner en coup. On a pas de heal en fait. On te regarde de loin, vas-y. Nous, on a rien, gros. Nous, notre game, c'est une question de survie. Hein. Après, si vous voulez qu'on fight, go, hein, si vous voulez. Hein. Oh, on peut tenter un 3v3. Hein, si vous voulez, on fait un 3v3, hein, si vous voulez. Mais bon, enfin, nous, de base, si on a fait ça, c'est pour gagner entre vous. Hein. Ouais, non, si vous avez pas de heal. Là, on a aucun intérêt à vous attaquer, vous, en fait. Tellement c'est la haze, gros, il m'a slashé l'avant que je m'attaque. Bon, pas besoin. T'étais dans un bateau. En vrai, j'ai essayé de tout donner pour que le jeu m'attaque. Pourquoi c'est pas fini? C'est l'infect, c'est l'infect qui bug. Ok, bah du coup on peut quand même se fight. Nickel, vas-y, venez. J'avais pas se fight. Il a on a gagné main dans la main, techniquement. Ils ont strength. Mais où? Bah non, ils ont pas strength. Non. Mort. Je suis mort. Je suis pas encore mort. Vous mourrez pas. T'inquiète, tu sais. Ah bah, vous êtes prêt. Ah bah là c'est cool. Ouais, moi je suis à 4 coeurs Noël, hein. Donc on vous montait pas quand on disait qu'on avait pas de heal. Ah mais vous aviez plus Gapple. Mais non, c'est pour ça, qu'on voulait pas fight. C'est pour ça qu'on voulait pas fight. Ah parce que d'accord. Vas-y on tryhard tu vois. Mais, genre, mais c'est pour ça qu'il m'a infecté parce qu'on avait juste plus rien en fait. Vas-y si tu veux, de toute façon j'ai 4 coeurs moi donc. Quoi? Vas-y Narco, vas-y. Ouais. Bon, on a gagné à deux. Ouais, on a gagné en couple. T'as combien de... C'est combien de heal? C'est pas Gil. Ouais, c'est moi qui fais le heal. T'as combien de heal, Marco? T'as quoi? T'as combien de cœurs en fait? Oh! Bah voilà, t'as ta réponse. Bah voilà, personne a gagné, GG. Voilà, on a finalement enfin réussi à survivre en couple jusqu'à la fin d'une partie. On a enfin gagné, même si bon, c'était pas à deux, mais les conditions de game étaient trop difficiles pour nous aujourd'hui. On a quand même fait un petit fight de fin, donc ça rattrape un petit peu la chose. Et si on regarde le tableau des kills à la fin, on a quand même bien dominé la partie. Même si on n'a pas gagné à deux, on a quand même survécu cette fois-ci, mais on n'avait pas d'autre choix que de se rallier au groupe des loups si on voulait toucher la victoire cette fois-ci. C'était donc notre petite revanche, je voulais pas faire les mêmes erreurs que la première fois, et c'est marrant que cette vidéo sorte pile un mois après la première game d'ailleurs. Un peu déçu de pas avoir pu tenter le beau jeu évidemment, mais bon, fallait être raisonnable. On était là pour gagner, pas pour faire 15 kills à 2. Même si bon, si on fait le calcul, on est quand même pas trop mal pour une game qui partait sacrément mal. Je prends les votes dès le début sans heal, Narco se fait cramer dès l'épisode 3, enfin ça partait quand même sacrément mal. Mais bon, vous savez, un jour un sage a dit qu'une game n'est jamais perdue. Alors bon, j'espère que cette petite game vous aura plu. J'avais envie de vous la partager parce qu'il y a quand même eu un petit peu d'action. Malgré cette fin où on reste un petit peu sur notre fin justement, une petite vidéo bonus sans prise de tête, certains le voulaient, et bien voilà, vous l'avez. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu. Vous pouvez également laisser un joli commentaire pour me dire si vous passez de bonnes vacances ou si vous détestez bosser en cette chaleur. Et puis bon, on le redit pas assez, mais si mon contenu, ma bonne humeur et l'ambiance de ces vidéo vous plaît, eh bien abonnez-vous, beaucoup de belles games arriveront bientôt, vous verrez. Bref, je vous dis à dimanche, et en parlant de belles games, je vous conseille d'être là à cette date-là, vous verrez bien. Bonne fin de semaine à tous.